Salut à tous et à toutes, c'est Grégory62. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui j'ai été récupéré une petite partie bien sympa sur le mode studio. Donc, j'ai tenté de faire le petit défi qui m'a été lancé. Donc, je sais pas si je vais réussir, hein, parce qu'il a l'air un peu impossible. Gotaga l'a fait, donc je te félicite, Gotha. T'as fait vraiment un truc de malade. Donc, je tenais à dire donc, que le défi consistait à avoir. Alors c'est quoi? C'est une nucléaire, ouais, une nucléaire, médaille nucléaire au B23R. Donc je me suis mis en hardcore. Bon, c'est dommage, j'avais commencé avec une bonne petite partie, je faisais du 10, 11 à 0. Donc j'avais mon Dragonfire, tout ça. C'est dommage. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette vidéo. Premièrement, que j'ai quitté la coft sur Xbox. On s'entendait plus trop, donc voilà. Sur PS3, donc j'étais sur la Felix avant, on a recréé une team avec des potes, donc c'était la Filk, je suis venu dans leur team, mais bon, ça s'est plutôt mal passé, il y a eu beaucoup de disputes, donc c'est pour ça que j'ai quitté cette team, hein, il y a beaucoup de mésententes, pourtant c'est des gens que je connaissais très bien, enfin bref, c'est pas ça le problème. Donc j'ai recréé une team, du coup je me suis dit, ça sert à rien de rester dans son coin à jouer tout seul, donc j'ai recréé une team. Donc il y aura TZM Neox, donc c'est la BBFA, la BBFA pour faire bilingue. Donc c'est la BBFA, je le répète trois fois. Il y aura Julien, donc TZM Neox, on aura Quentin, donc il va acquérir la PS3 très bientôt. Il y aura Clem Moto, un nom bizarre qu'il a. Il y aura, si je m'abuse, plusieurs personnes hein, que je connais, des vieux amis à moi. On va essayer de recréer une petite team sympathique. J'ai déjà inscrit sur Elite. Donc voilà. Il y aura beaucoup de matchs de team. Beaucoup de live aussi. J'essaierai de faire du live. Hein. On m'a demandé aussi un peu de live. Du zombie prochainement. Vraiment du zombie à prévoir aussi. Donc j'ai beaucoup de projets. Donc on a réussi avec la Filk, des joueurs de la Filk, à faire le secret de Mob of the Dead. Donc je sais pas, je vais essayer de couper ça en plusieurs morceaux et vous montrer en fait ce que ça donne à mon Dragonfire. Donc on a réussi le secret de ma base de dé, il est vraiment très compliqué. Donc, moi j'ai été exclu à la dernière minute, j'étais un peu deg, bon c'est pas grave, mais on a réussi à faire le secret quand même, ça s'est très bien passé. Donc je leur demanderai s'ils sont quand même, s'ils ont envie ou pas de faire le commentaire avec moi. Donc je verrai bien. Donc désolé pour l'inactivité de ma chaîne ces derniers temps, hein, depuis la dernière vidéo sur Microsoft. J'ai fait beaucoup de blanc hein, dans mes vidéos. J'ai beaucoup de choses, hein. Il y a eu déjà le voyage au Pays de Galles qui m'a perturbé. Je me suis foulé le tendon d'Achille, juste après ça je me suis cassé le poignet. Donc là j'ai un plâtre, là je l'ai enlevé il y a quelques jours. Donc j'aurais pas pu vous proposer une vidéo. Donc chez moi... On est le 27 juin. Enfin, on est le mois de juin, 27 juin. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Hein. Donc, je vais revenir un petit peu sur le gameplay. Donc là, je suis avec mon Dragonfire. Vous pouvez voir. Là, je sais même pas, j'ai jamais eu ce Dragonfire. Donc vous pouvez dire aussi bye bye à mon nouveau compte que j'avais soi-disant créé. Enfin, que j'avais nouvellement créé. Vraiment. Enfin, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, le nouveau compte, donc Overgame, il fait partie de la Over, donc j'aimerais bien ne plus jouer avec cette team, quoi, parce que c'est une team vraiment avec lesquelles je m'entends très mal, maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la Over et j'ai quitté la Filk, parce que la Over et la Filk sont deux teams pareilles, c'est la même team en une en fait, mais tous les membres de la Filk s'appellent Over quelque chose. Donc voilà. Donc, petite dédicace à Julien, donc, qui était avec moi dans cette partie, hein, vous pouvez voir TZM Neox. On va le voir très prochainement. S'il fait du kill, le petit Julien. Oh, il fait pas de kill. Approche. Pas grave. Ah oui, voilà. TSDM Neox vient de se faire tuer. Donc, on vient de monter la BBFA. Donc, le recrutement est ouvert. On ira jusqu'à 12 personnes dans la BBFA. Alors, on cherche beaucoup de personnes. Bah, des personnes qui ont du niveau, un peu de niveau quand même. Il faut le relever le niveau. Des personnes qui ont du niveau et qui sont vraiment disponibles, des gens qui jouent à temps partiel, ça nous intéresse pas. On cherche plus des gens qui jouent vraiment, des gros gamers, qui jouent 24-24. Pas des geeks quoi, mais vraiment des gens qui ont la passion du jeu vidéo.
Donc voilà, comme je vous ai dit, la BBFA est ouverte. Donc là, c'est la vidéo va bientôt finir, elle fait se finir. Elle fait 6 minutes 27, le gameplay fait 6 minutes, 6 minutes 27. Donc vous pouvez voir que là, j'ai changé encore une fois de logiciel de montage. J'utilisais Sony Vegas Pro 11. Là, je suis passé à la version 10. Donc, je l'ai craqué. J'ai réussi à la craquer. Je ferai un petit tuto si vous voulez pour vous montrer comment craquer ça. C'est assez simple. Donc là, il reste même pas une minute de gameplay. Donc, comme je vous ai dit, donc la vidéo sur la conférence Microsoft, apparemment, elle a bien plu, ce que j'ai vu. Ça vous fait toujours plaisir de voir des nouveautés, à ce que je vois. Bah, j'espère qu'elle vous aura bien plu aussi. J'ai mis du temps à la faire, quand même. Là, je passe. Je mets 3 balles à côté. Pas mal. B23, c'est vraiment un coup de cœur sur BO2. Donc là, ils étaient là. Et là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de lancer mon C4. Kill cam sur moi. Très 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 humiliant. C'est dommage. Donc voilà. Bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bah j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis ciao Billy Bye. Et à bientôt. Ciao.